Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des forains par le mage Altiz. Les illustrations sont de Johan Thury et ce jeu est paru aux éditions Exergue il y a déjà un moment. Je ne sais plus si c'est en 2015 ou en 2014. On va vérifier juste après, mais il me semble que c'est en 2015. Alors, la création des fêtes foraines en France a permis aux bohémiens, tziganes, manouches, aux gens du voyage de toutes origines, de pratiquer leur savoir divinatoire tout en conservant leur mode de vie nomade. C'est à eux, aux forains et aux circassiens, que le mage Altiz rend hommage à travers cet oracle. Ce jeu constitué de 54 cartes, dont chacune des dénominations provient du monde du voyage et des forains, pourra vous éclairer, vous guider, répondre à vos interrogations et vous faire découvrir les périodes de chance et de malchance dans différents domaines. Avec cet oracle, 5 méthodes de tirage vous sont proposées: le jeu de la question, le jeu du choix, le jeu de la semaine, le jeu de l'évolution et le jeu des 12 mois. Donc vous l'aurez compris, c'est un oracle comment dire, les gens du voyage et sur les forains plus particulièrement. Alors on a une jolie boîte avec ici la police d'écriture qui est dorée. Je pense on doit pouvoir le voir à la vidéo. Ici également. Alors hop, quand on ouvre le coffret, on a donc à l'intérieur les cartes et le livret. Alors on va voir justement au niveau de la date de parution 2015, c'est ce qui me semblait. Donc là, on a un mot du mage, donc du créateur du jeu. Donc, il nous explique justement le processus créatif qui a permis de créer ce jeu. Ensuite, ici, l'oracle, donc, qui est composé de 30 cartes majeures et 24 cartes mineures. Donc c'est un petit peu à l'image du tarot quelque part, mais dans une construction totalement différente, puisqu'il y a beaucoup moins de cartes. Donc on a ici les significations des cartes, donc les 30 cartes majeures. Donc pour chaque carte, on a un texte. Donc le livret, comme vous pouvez le voir, il est joli puisqu'il est, il est illustré en couleur. Donc les 30 majeures, puis nous avons ici les 24 mineurs, donc qui sont composés chacune de 6 cartes, c'est-à-dire qu'il y a 4 catégories de 6 cartes chacune, ce qui fait donc 24. On a donc les pommes d'amour qui correspondent à l'amour, l'amitié, la famille. Je pense que c'est plus ou moins l'équivalent des coupes. Nous avons ensuite les niglots, c'est que ça correspond à l'argent, le travail, les projets, le matériel, l'immobilier et autres, ce qui correspond plutôt comment dire, au denier, par rapport à un tarot, on va dire, classique. Les serpentes, c'est la réflexion, les pensées, les études, les démarches diverses. Donc ça, c'est plutôt les épées. Et les trapèzes, c'est le mouvement, l'action, les déplacements, les voyages. Donc ça, c'est plutôt les bâtons. Et donc, pour chaque carte, on a également une signification. Et ensuite, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc c'est celles que j'ai nommé tout à l'heure, celles qui sont inscrites sur l'arrière du coffret. Donc voilà pour le livre, le jeu. Alors les cartes sont grandes, comme vous pouvez le voir. Elles sont jolies parce qu'elles ont les bordures ici qui sont dorées, les tranches aussi. Bon, je suis pas forcément fan des tranches dorées, mais par contre, quand il y a des choses qui sont dorées sur la carte directement, en l'occurrence ici la bordure, je trouve ça plus sympa. Voilà. Et donc je vais vous les montrer. Alors pour cela, je vais faire un petit zoom, ce sera plus sympa pour vous. Voilà. Alors on commence avec la grande roue du monde. Puis ici, nous avons le dompteur.
la roulotte. Elle me fait penser au chariot. Le dompteur me fait penser un petit peu à la force. Et forcément, bah, la roue du tarot. Donc on retrouve un peu les archétypes du tarot quelque part. Donc on n'est pas perdu, hein, pour le coup. Bon, après ici, il y a une autre roue. C'est la roue de loterie. Donc elle peut nous faire penser également à la roue de fortune, forcément. Le clown. Alors ce qui est plutôt sympa, je trouve, c'est le style des dessins. Pour le coup, on a des fonds aquarelles. Je trouve ça assez joli. Et on a plein de couleurs différentes. Il y a un côté également enfant intérieur, je trouve. C'est très sympa. Et forcément, voilà, le jeu est très cohérent, hein, puisqu'on a des archétypes qui correspondent au tarot ou même à un oracle divinatoire, et en même temps il est illustré et les cartes ont des noms qui correspondent au monde des forains. Voilà. Alors on peut faire de la divination avec ce jeu, bien entendu, du développement personnel également. Voilà, on peut faire les deux. Et ici, donc, on part sur les mineurs. Donc, les mineurs qui ne sont pas vraiment illustrés pour le coup. Donc, pour chaque catégorie, donc il y en a quatre, à l'image des quatre éléments du tarot, on a donc six cartes. Voilà, donc les serpettes, c'était par rapport aux. On peut les associer aux épées. Les niglots, on peut les associer, ce sont des petits hérissons, on peut les associer aux deniers. À la terre, forcément. Les pommes d'amour, bah, j'aurais tendance à les associer aux coupes, hein, puisque c'est le côté émotionnel. Voilà. Alors, les mineurs, là, vous avez vu, elles ont plus les bordures dorées, par contre. Et enfin, trapèze. Donc là, on est plutôt sur du voyage, je crois. Donc, ce serait plutôt des bâtons, pour le coup. Voilà donc pour ce jeu, donc l'oracle des forains, qui est paru donc en 2015 aux éditions Exergue, toujours disponible, hein, pour le coup, chez l'éditeur. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus simple. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.